Salut les amis, si vous allez bien, vous êtes sur Geofishy. Alors, Loris, comme vous pouvez voir, cette canne a vraiment eu cher, puisqu'il a raté une carpe qui devait faire bien 2-3 kilos, voilà. Donc il a le plus digne, il s'est fait défoncer. Hein. Avec une canne à coups, donc forcément, ça a cassé. Voilà, ça tient pas longtemps, hein, une canne à coups. Donc on va essayer de... on continue à pêcher la carpe. On va essayer de continuer à pêcher le blanc. Bon, lui, ça va être compliqué parce qu'il a plus de ligne. Mais on va continuer, on va essayer d'en faire une grosse. Oh, t'as une touche! Oh, ce départ qu'il a eu. Hey, il a eu un de ses départs, les mecs! Oh la vache! Eh mais t'as une de ces touches toi? Attends mais... Si... Eh maintenant il y a des carpes qui se baladent les gars. Moi je veux pas dire mais... Oh la vache! Moi j'ai des bonnes touches aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui ouais c'est pas mal pour lui. Ah ouais il est là. Ouais il y a un poisson. Mais t'as du fond? Ah il est tout au fond forcément il a des belles touches. Fais gaffe à mon avis. Il va y aller là. Ah oui il va y aller. J'attends qu'il parte. Dès qu'il part, tu le prends. Ça peut être un poisson chat, ça peut être un poisson chat, ça peut être tout ce que tu veux. Oh, il est là! Oh, c'est une tanche! Ah, c'est une tanche, les gars, c'est une tanche! Regarde, monte là! Belle tanche! Donc, vraiment belle tanche, c'est une belle tanche. Au vert, hein, au vert, au comme d'habitude. Regardez, je sais pas si vous le voyez, regarde, où j'ai, regardez, il y a un vert à côté. Bon, les gars, je fais que des petits blancs pour l'instant et un beau carassin. Donc, vraiment belle tanche, elle est belle, hein. Ah, par contre, je suis pas content parce que j'ai cassé là pour la carte. Salut les amis, on se retrouve tout de suite. On est sur du fishing. C'est moi qui l'ai ferré. On a une carpe, les gars. Je l'ai ferré, mais c'est ma carpe. Je l'ai ferré, Nathan était pas là. Je l'ai ferré, une belle carpe. Mais alors, elle est. C'est un miroir de 3 ou 4 kilos. Ah, elle est grosse, hein. Ah putain. Casse pas. Ok, doucement, on va y aller doucement. On va y aller doucement, ma grande. Elle est là, regardez. Ah. Une belle miroir. Oh c'est de la ramener là. Ouais, ok, doucement. On y va doucement. Doucement, ma grande, doucement. Je suis vraiment content là, je l'ai ferré. On l'a eu. Ok, doucement. Doucement, ma grande, doucement. C'est bien, on va y aller doucement, ok les gars. Elle plie la canne. Ouais, c'est normal. On y va doucement. Ouais. Bon, les gars, elle fait 3-4 kilos facile. Hein. Ok, on va y aller doucement. T'es prêt? Elle va arriver à toi là. T'es prêt? 3, 2, 1. Hop là, voilà. Oh là. Yes! Nickel! Je sais pas si attention. Ça. Casse pas l'épuisette, je te donnais. Regarde, petite solution. On prend comme ça l'épuisette. Hop là. Voilà. Voilà les amis. Voilà les amis. Big poisson, les gars! Voilà. Bah, bravo à Loris d'avoir fait un bon ferrage. Ah, j'ai fait un bon ferrage. Et moi, j'ai bien tiré la carpe. Yes. Ah, belle carpe. Hein. Elle est magnifique. Tu check, les gars. Voilà. Regardez. Hop là. Bon, les gars, franchement, belle miroir de 3 à 4 kilos. Ah, je suis content, là. Ah, la vache, putain. Ok, faut des gorgeoirs, c'est pas compliqué. Tu prends le mien? Ouais, je prends le tien. Il est où? Tu vois la carpe aujourd'hui? Voilà. Ah, je suis trop content, je l'ai ferré là. Yes, on l'a eu. Hop là, allez, encore un autre. Ah, franchement, ça y est. Le big poisson est arrivé. Il fallait qu'il arrive sur ma canne, comme d'hab. Hein. Je l'ai... Ah, d'ailleurs, c'est une autre hein, que j'ai chopée ce matin. Ah oui, elle devait être plus grosse. Voilà. Ouais. Hop. Moi, c'est que j'ai chopée ce matin, elle était vachement plus grosse. Alors, je vais te demander de faire une photo pour moi. Après, je vais faire une photo sur toi et après, on fera une photo ensemble. Ok. C'est bon? Ouais. Alors, on va se mettre plutôt au soleil parce que là c'est pas beau. On va essayer de trouver un coin à l'ombre. Un beau coin à l'ombre. Donc on se dépêche pour pas l'abîmer parce voilà, que. Voilà parce qu'après on va les relâcher, bien sûr on va les relâcher. On va vous montrer la vidéo bien évidemment. Parce qu'il y en a qui vont nous prendre pour des braconniers. Voilà parce que je connais pas mal de c'est gens bon, mais j'avais une ancienne chaîne. Tu me dis quand on arrive au bon endroit. On arrive dans le coin à l'ombre donc ça va être bon. On pourra faire des photos. On la relâche là-bas. Ouais on la relâchera là-bas. Attends, je te dis si non, c'est pire, bon. Non, on la relâche là parce que là-bas il y en a déjà trop, c'est déjà trop. Ah, mais là-bas, ouais. Ok, donc là on va être en coin à l'ombre. Donc c'est parti. Donc, on va faire des photos ici. Attends, je te dis si c'est bon ou pas. Je me baisse. Attends, je te dis quand c'est bon. Voilà. Avec la queue. Vas-y, attends, je te montre avec la queue. Voilà. Parfait. Maintenant, je fais celle de Loris. Attends, Loris. Tiens. Et après, on prend ensemble. C'est de ne pas mettre la queue. Ok.
donc photo c'est là. Photo, de toute façon, c'est le point bleu. On va dire que c'est un peu grâce à moi quand même. De toute façon, la photo c'est point blanc de toute façon. Donc... Voilà les gars, petite carpette. Une petite carte miroir. Alors tu me dis si c'est bon. Ouais. C'est bon là. Tu me dis si c'est bon. Je vais juste les sauter. Parce que je fais une belle photo. Alors là c'est bon. Attends deux secondes encore. Comme ça, j'aime bien prendre les photos. Ah oui, moi j'ai pas fait une comme ça. Ouais, j'en fais une. Okay. J'en fais une au miroir. C'est pour ça qu'on va mourir à la pauvre. Hop. Pour cette petite carte. Tu me dis quand c'est bon. Bon, vas-y. Hop, stop. Et une photo ensemble. Donc on va faire un truc très simple. On va prendre un trépied en bois. Au pire, on va là-bas. Attends, il n'y a plus de soleil sinon. On mène la carte, dépêche-toi parce que là elle va bien aller, elle va plus être bien. Après, je vais la relâcher comme putain de nourrice. Filmé. Et comme Laurie c'est bien filmé, je la relâcherai parce que moi je filme très mal. Donc moi je prends la tête, toi tu prends le reste, ok? Ouais, on se met où du coup? On se met là, ça prend la terre. De toute façon. Ok. Bon, est... Viens, mets-toi la pose-toi. Hop, mets-toi de l'autre côté. Moi je vais gratter un peu là. Ok, donc on fait la petite vidéo. Voilà. Est-ce qu'on voit bien là? Recule-toi, je vois pas. Là. T'es pas sur la vue. Si t'es derrière, c'est bon. Voilà, et là maintenant les gars, on va aller la relâcher. Allez, venez avec moi. Donc pas là-bas parce que là-bas il y a plein de cartes déjà. On va la relâcher. Et parce que là-bas il y en a une grosse. Oh. Attention. Il y en a une double grosse, donc celle-là est déjà pas mal, mais. Voilà, celle que j'ai ratée ce matin, elle était vachement plus grosse. Voilà, la canne elle est quand même bien pillée. Elle devait faire au moins facile 5 kg la sienne. Là, celle-là, elle fait bien 2-3 kg, donc c'est une pas mal, mais c'est pas la plus grosse. Donc voilà, petite carpette du jour. Donc quand même, je vais pas me remettre que c'est grâce à moi quand même. C'est quand même ça, t'as quand même bien ferré la carte quand même, ouais, c'est vrai. Hop, donc là, hop, je vais la tenir de l'autre côté. Donc regardez bien parce que voilà. Hop, donc, je me mets comme ça, donc dans mon angle. Attention de pas tomber, je te tiens. C'est bon. Hop là, la partie. Nickel. Yes. Wouh. Bon les gars, on continue. Parce on continue de pêcher parce qu'il y en a d'autres. Hein. Il y en a sûrement une deuxième qui voudrait peut-être se mordre. Parce que celle-ci, ça fait déjà 3-4 fois qu'on la rate déjà. 4 fois qu'on la rate quand même. 4 fois, vous imaginez? Et moi, je suis arrivé, je filerai. Et hop. Il a eu de la chance, à ce moment il est arrivé. Et la carpe avait dû déjà mordre. Donc du coup, elle l'avait déjà un peu au fond du cul. Vraiment, ça, c'est l'expression qu'on dit, qu'en gros, quand elle l'ont au fond. Et bah, lui, il avait juste à faire un coup, voilà, c'était fait quoi. Donc là voilà, elle a eu de la chance, elle est bien repartie comme il faut. Donc ça fera une deuxième de ma semaine que je fais moi. Lui bah je pense que c'est la première de cette semaine. J'en ai fait une petite mais bon elle était pas. Vous mettez cette semaine ou cette année? Non, cette semaine j'ai fait une de 100 grammes mais c'était petit. Et bah voilà, bah là t'as fait une de 2 kilos. On a fait surtout, voilà. Non, franchement on a bien géré, allez, on va essayer d'en faire une plus grosse. Parce que bon, 2 kilos c'est pas non plus énorme. Surtout que lui, bon, lui et moi, 8 kilos, on en a déjà fait je sais pas combien de fois. Ouais. Donc là. Là, une petite, ça fait plaisir gros, pour la journée. La plus gros, je crois qu'elle faisait 25, 14, ouais, voilà, 22, 25 kilos. Pour nous deux, c'était 25 kilos. Voilà. À peu près, ça. Donc, on va continuer et puis ben, on va essayer de faire plus gros. Donc, voilà. Ah, au fait, j'avais un petit message à passer. Donc, les mecs qui nous avaient pris pour des nuls à la pêche dans la grange coton, déjà, c'est pas sympa de votre part. Vous nous avez envoyé des photos. Nous, on vous avait envoyé des photos. Après, vous avez rien dit, ok? Donc, merci. Franchement, merci pour les likes surtout. Donc, pensez à liker et à vous abonner et on vous met les prochaines images. Allez, voilà. À tout de suite, c'est parti. Donc là, on va faire une partie 2, enfin 3 là, après. Je vais en faire une autre de partie parce que... Donc, pour ceux qui veulent savoir quoi on pêchait, donc c'est un petit verre. Un verre, donc c'est tout simple. Donc un bas de ligne, un fluorocarbone. Le bouchon, c'est juste pour savoir qu'il y a une touche. Et un bouchon, parce que c'est au fond, fiche. En fait, c'est au fond. Et c'est à ras le fond, donc forcément, quand on voit plus le bouchon, que la canne commençait à partir carrément dans l'eau, là, c'est sûr que c'est une carpe, quoi, voilà. Donc les amis, partie 3 ou 4, je sais pas. Donc les gars, ça y est, Laurie ça fait une deuxième carpe, enfin on peut dire oui c'est lui qui l'a fait carrément même. Une carpe de 5 kilos. Alors Laurie, plus, voilà. J'avais dit 10 kilos. Ça. Ah elle peut pas 10 kilos, 10 kilos elle serait comme ça 10 kilos. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, voilà. Voilà une belle carpe miroir. Deuxième de la journée, carpe. Deuxième de la journée, miroir, voilà. Elle est magnifique. Voilà, donc ça fait une deuxième carpe. Belle donc, bouche. Appuie sur le truc si tu veux. Voilà. La photo pour donc moi. Là on va prendre les photos, vous êtes prêts? Bouge pas, je te dis quand c'est bon. Ça a pris une photo là? Oui, attends, appuie, attends, bouge pas, non, attends, bouge pas, prends. Ça a pris là? Ouais, a pris.
Non, t'es en bas là. Monte un peu. Bouge pas. Appuie. Là, refais une photo. Parce que. Bouge pas, bouge pas. Parce qu'elle est tellement grosse que. Bon, appuie. Appuie. Voilà, c'est bon. Alors, attends, je prends une photo sur le mien. Comme ça, moi, je vais montrer à quelqu'un que je connais. Voilà. Donc les amis, bah du coup on a relâché la carte, donc j'étais obligé d'éteindre mon téléphone parce que j'ai vraiment plus de batterie. Je suis à 14%. Donc ah c'est bon, t'as tout récupéré Nathan. Ouais, j'avais mis un nouveau montage. Donc j'espère que Nathan va pouvoir m'envoyer les vidéos et puis je vous mets les prochaines images. J'ai envoyé une vidéo. Donc ouais. Voilà. Donc j'espère qu'on va pêcher d'autres et on vous met les prochaines images. Et d'ailleurs, pour vous dire, elle faisait 6 kilos. Allez, on vous met les prochaines images. Mais sur la prochaine partie, pensez à vous liker, à vous abonner, pensez à tout faire. Bonne journée, bonne matinée, ou bon après-midi, bonne soirée, comme vous voulez. A plus, salut.